Hey! What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'inventaire Xur, Ce sera la fin de cette vidéo, mais avant toute chose, j'ai quelques informations concernant les seigneurs de fer et concernant également Destiny 2. Alors tout d'abord, les seigneurs de fer, vous savez, il y aura huit nouvelles reliques et il y a une relique qui fait beaucoup parler d'elle. C'est la relique de Radgast, celle qui permet tout simplement en portant une épée et en portant la relique de repousser les roquettes ennemies ou encore on avait dit l'attaque de l'ogre. C'est a été confirmé hier sur Twitter par un des développeurs de chez Bungie. Cette relique permettra également de repousser les super ennemis. Il nous parle notamment du marteau du titan et de la bombe nova de l'arcaniste. Alors, j'espère vraiment que c'est pas trop cheaté non plus, parce que moi, je me vois bien mettre ma bombe nova sur deux, trois mecs. Imagine les deux, trois mecs portent la relique, tu te retrouves comme un con. Enfin bon, espérons. Franchement, moi, je vois bien quelque chose qui se recharge dans le tank, un peu comme un super, si vous voyez, et que l'effet n'est pas présent pendant toute la partie, parce que ça serait quand même un petit peu trop abusé, selon moi. Deuxième information, il y aura un nouvel objet à looter à la fin des missions et des assauts. En anglais, ça s'appelle la Skeleton Key. C'est tout simplement la clé-squelette en français. Je ne sais pas si ça portera ce nom, mais je l'ai traduit. C'est un nouveau loot. Donc, à quoi ça sert C'est une clé que vous allez pouvoir récupérer, comme je vous l'ai dit, à la fin d'un assaut ou à la fin d'une mission. C'est un loot aléatoire. Et tout simplement, ça vous permettra d'ouvrir un coffre. Quel coffre Désormais, à la fin de chaque assaut que vous allez faire, quand vous allez tuer le boss, il y a un coffre qui va apparaître un petit peu comme dans le raid d'Orix, et avec cette clé, vous allez pouvoir ouvrir ce coffre. Qu'est-ce qu'il y aura dans ce coffre Il y aura le loot exclusif de l'assaut. Donc par exemple, les trains de Maloch pour Omnigul ou encore la piste aux étoiles pour les frères au bouclier, etc. Pour les flagellateurs. Même chose, il y aura par exemple la cape. Franchement, c'est vraiment une très bonne chose. Ça permet de ne plus farmer les assauts comme un fou. Parce que c'est vrai que pour avoir les trains de Maloch, on la veut tous. Moi, je ne l'ai jamais eu. Et pourtant, j'ai farmé Omnigul comme... Enfin, voilà, comme un fou. Et là, ça va vraiment être bien. C'est-à-dire que moi, dès que je vais looter ma clé, je vais lancer Omnigul, je vais la tuer et je vais ouvrir le coffre et j'aurai les trains de maloc et ça franchement c'est une bonne chose franchement c'est vraiment bien ce qu'ils mettent en place ça permet d'arrêter de farmer comme un fou les assauts parce que franchement oh là là qu'est ce que c'était long et j'aimerais bien d'ailleurs savoir votre avis là-dessus donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce nouvel objet dans l'espace des commentaires et dernière information concernant les seigneurs de fer ça y est les précommandes sont disponibles sur le xbox live donc vous pouvez penser tout simplement Précommander le prochain DLC. On va parler désormais de Destiny 2. Hier, Activision a donné une conférence de presse dans laquelle ils font le bilan de leur jeu. Ils parlent de chiffre d'affaires, ils parlent également du nombre de joueurs, et etc. Et ils ont parlé surtout de Call of Duty et de Destiny, et notamment Destiny 2. Donc ils nous ont dit tout simplement que Destiny 2 était sur la bonne voie, ils avaient vraiment bien avancé sur le jeu et qu'ils devraient bien voir le jour. En 2017, et ils nous disent également que le jeu sera impressionnant. Donc évidemment, ils vont pas descendre leur jeu, on s'en doute bien. En tout cas, voilà, on nous parle enfin de Destiny 2 un petit peu, et ça, ça fait plaisir. On nous dit également que Activision a fait de gros progrès sur la sur la collaboration avec Bungie, et que pour Destiny 2, on aura tout simplement plus de contenu, plus rapidement, et surtout plus conséquent. Et franchement, ça. Enfin, j'ai envie de dire que ça va faire vraiment très plaisir ce coup-ci et qu'on aura vraiment plus de contenu pour Destiny 2. Donc, vraiment, bon, déjà, on va attendre les seigneurs de fer, mais après, franchement, vraiment vivement, 2017 et Destiny 2, je pense que ça va être vraiment une tuerie. Et du coup, je finis cette vidéo avec l'inventaire de Xure pour ce vendredi. Donc, il se trouve au niveau 1 hein, ici du guide. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu ce qu'il nous propose. Alors, c'est parti. Donc, pour le Titan, pas de plan B. Donc, un grand clay, les frags réalisés avec un fusil à pompe déclenche champ de force et la durée de cette compétence est augmentée. Donc, c'est pas mal. Il y a mieux, mais bon, pour la collecte, toujours un hein, j'ai envie de dire. Puis, je pense que ceux qui ceux qui sont encore sur Destinée aujourd'hui doivent déjà avoir tous ces tous ces items là forfait du graviton à l'effet pas de l'ombre donc ça c'est pour le chasseur pour l'arcaniste on a également un casque le voile d'apothéose vos points de vie ainsi que l'énergie de votre attaque de mêlée et de votre grenade sont régénérés lorsque vous activez votre super donc ça c'est pas mal et au niveau de l'arme on a le super cellule zalo voilà donc ça je pense également que beaucoup l'ont il fait pas et franchement il fait assez mal en pvp et du coup ceux qui l'ont pas franchement je vous conseille vraiment de l'acheter moi je vais vraiment me tourner vers les trois de J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu les potes. Si vraiment c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à partager. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Tchuss.